Salut tout le monde, c'est MixerSaid, on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 6 des Sims 3. Donc la suite, excusez-moi du retard, j'avais d'autres jeux à faire. Donc là, pour cette vidéo, je vais vous montrer mon restaurant que je viens d'améliorer. En fait, il s'agit d'un contenu store, un bâtiment. Donc c'est un restaurant, le voici. Donc il s'appelle à la base Bistro Bune, je sais plus trop quoi culinaire là. Bistrot, bonheur, culinaire, voilà. Et moi, je l'ai renommé en Augustation. Donc, pour l'instant, il y a que les salariés, il n'y a pas de chef vraiment dans le bâtiment. Donc, je ne sais pas si je vais me lancer dans la gestion du restaurant. Mais en tout cas, on va déjà aller le visiter. Donc, là, on va tout de suite le visiter avec notre ami Cyril. Alors sachez tout de même que donc ça vous le trouvez dans le store qui vous permet justement de créer un restaurant. Les gens peuvent carrément commander de la nourriture et puis les cuisiniers et tout cuisinent bien évidemment. Donc ça c'est vraiment un objet du store que j'ai vraiment sauté dessus direct. Donc sachez aussi que bientôt dans le nouveau contenu du store, vous allez aussi pouvoir le 26 septembre, selon ce que j'ai vu, avoir une nouvelle ville qui vous permettra aussi de créer des magasins. Alors ça c'est vraiment ce que j'attendais vraiment pour la bonne affaire. Alors justement, voilà notre ami Cyril. Oula, j'ai lag. C'est bon, il arrive. Ah le voilà. Donc j'ai amélioré, regardez, j'ai rajouté un petit parking ici à 3 places. Son téléphone il sonne, bref. J'ai carrément modifié. Alors attendez, on va répondre à son téléphone, que c'est chiant en fait. Smartphone, répondre au téléphone. Voilà, on va le laisser répondre. Donc le restaurant est celui de qu'on a dans le store, sauf que je l'ai amélioré en fait. Je vais juste... comment dire? Je l'ai juste amélioré, donc là vous pouvez remarquer que j'ai rien touché. J'ai juste rajouté... un four ici pour pouvoir recruter un nouveau salarié. Donc en fait ce que vous avez vraiment dans le gros contenu store c'est cet objet là qui vous permet justement de cliquer dessus, définir le report, renvoyer le chef ou le recruter, préparer des trucs rapides. Donc c'est une grande cuisine, vous voyez, elle est vraiment pas mal. Là le côté restaurant est là, j'ai rajouté une table là aussi et une table là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va manger, on va s'installer tout simplement sur une table. Alors là par contre on peut pas passer commande, je sais pas pourquoi. Aucun chef n'est disponible pour prendre les commandes. Ah. Bon bah on va retourner chez soi, hein, écoutez. Bah, on peut pas, il y a personne pour l'instant, le restaurant il doit être fermé ou j'en sais rien. Bref, on va aller à l'étage. L'étage c'est vraiment le côté où j'ai le plus amélioré. Donc les toilettes j'ai pas touché, j'ai juste modifié la... comment dire? La tapisserie. Ici vous pouvez remarquer que j'ai mis en rouge les murs. Voilà, avec le banc noir. J'ai rajouté les lampes ici, quand j'ai trouvé sur le net. Ça peut être sympa, parce qu'en fait, le restaurant, ici, il est en deux salles. Il y a la salle une en bas, c'est la restauration vraiment normale, classe, tout ça. Et en haut, c'est plus les pizzas, tout ça. C'est pour ça que j'ai mis le four à pizza que l'on trouve Monte Vista, donc la ville. Ensuite, ici, vous avez aussi un contenu du store qui vous permet de créer, faire jongler avec des œufs et créer justement des sushis, des trucs comme ça. Voilà, donc petite cuisine ici, ok, c'est tout simple, il n'y a pas beaucoup de tables, hein, il y a juste 3 tables, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand monde sur ce côté-là. Voilà, ensuite, voyons de l'extérieur, donc ça fait un beau tchou bâtiment quand même, je vous conseille un petit contenu store, après vous modifiez à votre façon. Voilà, ici une petite fontaine avec des plantes, regardez les plantes, comment que ça brille, tout, c'est vraiment de la belle qualité, hein. Franchement les graphismes de Sims 3, ils défoncent. Hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va essayer de revenir après parce que là... Il est quelle heure? Il est 22 h. Et ça ouvre à quelle heure? On sait pas les horaires, mais on va plutôt attendre le lendemain. Ça ouvre à 8 h, je crois. C'est parce que là, j'ai sauvegardé ma partie juste avant. Et du coup, ça y est, c'est parti. Donc là, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est ma nouvelle tenue. De notre ami Cyril, justement. Que je vais vous montrer, qui vient de sortir des toilettes. Bah d'ailleurs, il est où, là? C'est quoi ce bâtiment-là? Mon dieu, je connais... Attendez, je connais pas ce bâtiment-là. C'est quoi? Ah, je connaissais pas ce bâtiment-là. Bah, ça me surprend. Alors, attendez. On va retourner voir.
Bon, je sais pas, en tout cas, on va le faire rentrer chez lui parce que ça devient chiant. Voilà, oh, c'est un beau bar, mais je vais le changer parce que j'ai envie de faire un bar plus classe que ça, moi. Alors, je vais vous montrer sa tenue. Donc justement, comme vous avez pu le constater, le kit cinéma est sorti depuis 3-4 jours. Bon, moi, je l'ai depuis longtemps, mais voilà seulement que je fais une vidéo. Oula, mon personnage est transparent, voilà. Alors, attendez, on va le faire venir ici. Alors voilà, c'est une tenue que je viens de mettre qui appartient au kit cinéma. Regardez, je vais faire pause, hop. Donc justement, vous avez la tenue de cowboy avec les chaussures. Le chapeau, je l'ai pas mis par contre, mais je le mettrai. Mais en tout cas, c'est pas mal. Par contre, ce kit-là, je vous le conseille oui et non. Parce que bon, moi je l'ai pris parce que je prends toute la collection. Moi, n'importe quel Sims, qu'il soit nul ou pas, je le prends, ça c'est clair et net. Mais bon, vous, si vous êtes pas trop fan des kits, je vous le conseille pas du tout parce que vous avez rien. Vous avez que des vêtements et des petits objets de rien du tout à 10 francs. D'ailleurs, je vous l'ai montré, on va faire le menu achat. Vous avez rien, quoi, c'est une catastrophe. Alors moi, au début, j'avais vu sur Facebook, qu'on pouvait avoir des barres et des caméras pour justement créer un film, tout ça. On peut rien faire du tout, on a que dalle. Ils nous ont bien arnaqué, hein. Donc du coup, bah, voilà, quoi. Alors, donc là, c'est ma maison, hein, pour ceux qui se rappellent plus, là, voilà. Donc là, je vais vous montrer les objets dehors. Alors, je vais baisser le son. Alors, on commence par ici. On va sélectionner. Hop, on va tout en bas. Tac, 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 tac. Voilà, vous voyez, j'ai tous les add-ons. Il manque... En fait, le seul qui me manque, c'est En route vers le futur. Tout simplement. Et puis la ville qui sort le 26 septembre. Donc, voilà. Donc, bien sûr, le En route vers le futur, je l'aurai en octobre, hein, fin octobre. Voilà. Alors, cinéma, kit, objet. Je clique dessus. Voilà, je clique sur les lampes. Donc, les lampes, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez ça. Voilà, vous voyez, c'est des petites lampes simples, sans plus, quoi. Donc à chaque fois, il y a trois lampes, parce qu'il y a trois thèmes, en fait. Donc voilà, ici, vous avez un truc plus côté super-héros. Donc vous voyez, c'est une grosse cabine qui fait une lampe, en fait, en même temps, avec vos costumes. Et vous avez ça, qui est un gros laser. Mais ça sert trop à rien. Ensuite, les meubles, là, il n'y a rien. Micro-ondes, il n'y a rien. Ça, il n'y a rien. Cuisinière, frigo, il n'y a rien. Poubelle, il n'y a rien. Bon, attendez, on va plutôt faire comme ça, voilà. Tout, voilà. Alors ici vous avez des nouvelles douches qui fait un peu genre un peu anglais, quoi. Ça fait une cabine téléphonique mais qui fait douche en même temps. Et là ça m'a beaucoup plu, parce que ça peut être pas mal pour créer des campings, parce que je vais bientôt créer aussi un petit camping, et justement je pourrais le mettre dehors, ça, pour les campings, quoi. C'est sympa pour aller faire caca et tout. Regardez, ça fait des chiottes un peu, donc ça peut être sympa. Ensuite ménager, vous n'avez rien. L'étape, vous avez quelques affaires. Donc vous avez un bar, un nouveau bar, bon, sans plus, hein, voilà. Vous avez ici une table, voilà, sans plus aussi. Ça sert à quoi déjà, ça? Guérillon, baiser du serpent, ouais, bref. Ça, une table salle à manger un peu plus style super héros, vous pouvez remarquer. Ça, bon, ça sert trop à rien. Et ça, c'est les cartes des crimes, justement. Ça met une carte et qu'on voit les crimes justement sur la truc. Mais bon, ça sert à rien, hein. Vous voyez, en fait, c'est un peu bidon, hein. Franchement, j'ai trouvé bidon ce kit-là. Donc là, vous avez encore pas mal d'objets. Alors, l'électronique. Alors, moi, je m'attendais justement à voir des nouvelles Shinifi, des spots, justement, lumineux pour éclairage de scène, qui m'auraient servi pour ma boîte de nuit. Mais il n'y a que dalle. Ils nous ont bien arnaqué. Bande d'enculés. Donc, le bar, je l'ai montré. Éclairage, je les ai montrés. Décor, bah alors décor, faut pas vous attendre à énormément, vous avez pas grand chose, vous avez vu. Vous avez un bras de un peu à la mode Iron Man, là. Voilà, vous avez vu. Ensuite, des rideaux. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est pour mettre au-dessus, si vous créez un genre de bar ou... Pour mettre justement... voilà. Bah justement, ça va me servir justement, cette panneau de salon. Parce que je vais créer justement un bar et ça me permettra de le mettre. Ça sera un bar à thème, justement. De toute façon, j'attends énormément la ville pour créer notre... comment on appelle ça? Créer notre magasin, parce qu'on peut créer des magasins d'électronique, d'objets, de voitures, toutes sortes, quoi, ça dépend. Je pense que c'est avec une table. J'ai cru voir dans le trailer que les gens, on devait mettre toujours la même table et mettre les objets dessus, puis ils sont considérés comme de la vente, en fait. Donc c'est grâce à une table, justement, qui va nous permettre de créer des magasins et de recruter des salariés. C'est comme le four, vous allez pouvoir, pour le restaurant, c'est grâce à ça qui permet de créer un restaurant. Ainsi que les pancartes pour commander.
Alors, rangement. Bon, vous avez ça. Truc de super-héros. Attendez, on va le mettre là. Voilà. Voilà, donc c'est une cabine. Hein. Chargez vos locks. Ça, pareil, ça fait un style plus thème horreur. Voilà, à chaque fois il y a trois thèmes. Bon, ils ont rajouté un peut-être en plus, ça dépend. Là, voilà. Et puis celle-ci. Bref. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voiture, véhicule. Vous avez des nouveaux véhicules? Alors là, par contre, j'ai pas assez de thunes. Mais vous avez celle-ci, justement. Une voiture à la mode Batman un peu. Moi, ça m'a fait trop penser à celle de Batman. C'est la Sim Mobile. Excellent. Voilà. Et vous avez aussi une grosse moto. Justement. Oula. Donc là, faut mettre un truc pour la mettre. Hein, mais bon, j'ai pas le temps. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Après, pour le mode construction, vous avez pas grand-chose à part des nouvelles tapisseries et tout ça. Donc là, c'est dommage parce que j'ai pas... Diesel kit. Attendez. On a pas là carrément le... Non, bon bref, on va aller dans le mode construction. Ça va vous permettre de vous montrer. Donc là, je m'attendais à que ce soit par rapport aux arches ou aux colonnes, mais même pas les barrières, on n'a rien grand chose de plus. Alors attendez, je vais retrier comme tout à l'heure. C'est où j'ai vu qu'on pouvait... La tapisserie, je crois qu'on a des nouveaux muraux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, je crois, hein, parce que je suis pas sûr. Hein. Tu sais, faut pas s'attendre à des miracles avec Electronic Arts. D'ailleurs, j'ai cru entendre que la sortie des Sims 4 serait fin 2014. Bah alors là, ils vont se faire foutre, ils ont cru que j'allais attendre fin 2014. Bah, de toute façon, moi, je reste sur les Sims 3, hein, je tiens à vous le dire, hein, j'irai pas trop sur les Sims 4. Hein. Je reste fidèle aux Sims 3. Alors, attendez, ça rame, parce que je sais pas ce que ça fait, là. Alors, c'est bon, ça a chargé. Voilà. Alors, on va le sélectionner, tout en bas. De toute façon, je vais bientôt quitter la vidéo, c'était vraiment plus une vidéo info plutôt qu'un let's play en fait. Bah non, j'ai que dalle, hein, Dieu, c'est des enfoirés. On a vraiment que dalle. Ah, en porte, on a des nouvelles portes. Bon, sans plus, hein, vous voyez, vous avez des portes comme ça. Ça peut être sympa pour une boîte de nuit, j'ai... Ouh là, le salon, justement, une porte de salon. Ça peut être sympa aussi. Ça, c'est une porte laser. Donc justement, ça peut servir aussi pour le thème futur, ça. Pour en route vers le futur, cette porte laser là. Parce que justement, en route vers le futur, je vais utiliser beaucoup cet add-on là. Pour créer un... Comment on appelle ça? Un futuroscope. Parce que je vais pas en même temps que à jouer avec ce add-on dans la rue. Ça va faire con des gars qui se baladent en vaisseau là. Ça va pas faire très réaliste. Parce que moi, dans les Sims, j'aime bien que ce soit réaliste. Surtout mes gameplays. Donc voilà. Bon bah, je pense qu'on va se quitter là. Donc je vais remettre le menu normal. Donc... Oula, ça bug là. C'est bon. Et hop. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine... Mon dieu, c'est quoi de ça? Voir. Ah, c'est le gant, ok. Attends, on va regarder. Il est chiant le téléphone, hein, si je pouvais jouer au Baltrap avec. On va faire aux toilettes, tiens, pour... C'est tout en un peu comme dans Île de Rêve, quoi. Voilà. On va regarder ce qu'il fait. Ah ouais, ça fait à peu près comme l'autre truc, en fait, ils ont eu changé le skit, mais ça peut être pas mal pour faire un petit peu en camping. Je vais essayer de trouver des caravanes, des tentes, on les a déjà, ça va être pas mal. Pour créer un petit camping, comme ça il me manquera plus. Parce que ce qui manque dans les Sims 3 pour l'instant c'est des magasins. Boîte de nuit, tout ça c'est fait, piscine c'est fait, parc aquatique c'est fait. Ouais, ce qui me manque c'est vraiment ça quoi. Donc voilà, on va se quitter là, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et puis à la prochaine pour la donne en route vers le futur. Mais je ferai des vidéos avant, hein, bien évidemment. Allez, tchuss. Ah non, aussi, excusez-moi. Je vous ferai aussi, je vais créer les magasins d'avance. Attendez, requin, on s'en fout. Je vais créer les magasins d'avance. Et je vous les montrerai quand j'aurai la ville avec les magasins. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer mes super magasins avec la caisse et tout. Ça va être sympa. Allez, tchuss.